pourquoi j'en suis venu à faire de la voltige plutôt que de l'aviation militaire. Je pense que c'est simplement qu'avec un avion de voltige, j'apprends à être libre, à faire corps avec l'avion et à faire un petit peu pas ce que je veux, mais à pouvoir jouir d'une certaine liberté. La voltige, c'est comme le patinage artistique. Les patineurs vont évoluer sur une patinoire simple, hein, donc ils ont une aire de jeu. Nous, les voltigeurs, on a le ciel pour s'exprimer. Et ça s'apparente vraiment à du sport artistique. À 6 heures avant le vol, je vais bien sûr commencer à mentaliser mon vol, c'est-à-dire à m'imaginer dans l'avion, mais cette fois-ci par rapport à l'entraînement, en intégrant les conditions météorologiques du jour. International. On fait des vols de 4 à 5 minutes, on en fait 5 maximum sur une durée de 10 jours. Donc tout se joue en une demi-heure de vol, une saison d'entraînement, 6, 7, 8 mois de préparation pour à peine une demi-heure de vol. Les sensations qu'on peut éprouver en vol, c'est assez difficile à décrire. Et chaque personne va réagir d'une façon différente. On peut se sentir libre comme un oiseau, c'est-à-dire qu'on fait corps avec l'avion. L'avion n'est pas seulement l'oiseau, il est le prolongement du corps du pilote. Et donc du coup, ça permet de s'exprimer. Le mot qui caractérise la voltige, je pense, c'est la liberté. C'est la possibilité de faire ce que ne font pas les oiseaux, c'est-à-dire voler sur le dos. Et ça, je trouve ça extraordinaire.